Certes, aujourd'hui, il faut développer des couverts végétaux, mais vous allez voir que dans le cas de l'asperge, ce n'était pas forcément évident. Je vous amène à la rencontre de Jacob Vermu, conseiller technique de la société Agrivaloir. Bonjour Jacob, pouvez-vous nous rappeler les étapes clés de la culture de l'asperge ? L'asperge, c'est une culture qui est plantée et qui est récoltée pendant 8 à 10 ans. Et tous les ans, on fait une butte pour aller chercher l'asperge à l'intérieur de la butte. Donc on est obligé de faire chaque année une belle butte pour que l'asperge reste bien blanche dans la butte et que c'est facile à récolter à la main l'asperge. En quoi votre buteuse est-elle innovante ? Traditionnellement, les buttes étaient faites avec des buteuses à disque, mais on avait du mal à faire des buttes assez hautes pour avoir suffisamment de terre au-dessus de la griffe. Donc aujourd'hui, nous proposons l'EcoSpader. Donc c'est une machine qui permet d'un concept complètement différent. Donc il y a deux disques qui ressemblent à la terre. Après, il y a une rotobèche qui travaille le sol. Et après, il y a des plaques qui forment la butte, comme dans une autre buteuse. Mais là aussi, avec la grande différence que les plaques qui sont derrière pour former la butte ont tendance, à, quand il y a un peu trop de terre, de trop tasser la butte pour quand même caser en quelque sorte la terre. Donc, cette machine a la particularité que quand la butte devient trop haute, il y a une plaque qui se soulève et ça fait s'écarter un petit peu les plaques à l'arrière pour la butte devient toujours la même hauteur, toujours la même consistance, pas plus tassée, mais un tout petit peu plus large, qui n'est pas du tout gênant. Et ce qui permet d'avoir une mobilité du sol beaucoup plus importante, qui facilite très largement la récolte. Et en quoi cela va-t-il favoriser les pratiques agroécologiques ? Dans l'asperge, la tendance, comme partout, est d'essayer d'avoir des couverts entre les rangs. Mais les buteuses traditionnelles qui vont chercher la terre très loin, les buteuses rotatives, bon, déjà, ce n'est pas bon pour la structure, ça consomme beaucoup d'énergie, mais surtout, ils vont chercher très large. Donc, même si on a un beau couvert bien réussi, c'est détruit par la buteuse, donc ça n'a plus beaucoup de sens. Donc, cette machine permet de travailler beaucoup moins large. On ne travaille qu'entre les roues du tracteur. Et du coup, il reste beaucoup plus de place pour faire un couvert, soit annuel, soit permanent. Merci Jacob. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.